Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire un whip to whip en finger scooter. Donc whip to whip, en quoi ça se caractérise? C'est faire un whip, ce n'est pas un double whip, hein. C'est faire un whip, voilà, arrêter le whip, donc le catcher, et ensuite attendre une demi-seconde et en envoyer un autre, dans le même sens bien sûr, donc c'est-à-dire vous faites un whip et vous envoyez un autre, voilà, aussi simple que je viens de vous montrer. Donc pour le faire, il faut savoir déjà faire un whip, voilà, vous regardez l'ancienne vidéo. Et pour envoyer un whip to whip, il faut déjà apprendre à catcher un whip en l'air, c'est-à-dire sauter, attraper votre whip. Et ensuite, que vous avez le temps de le catcher, vous envoyez un autre quand vous retombez vers le sol. Pour que ça fasse un effet réaliste, vous montez, vous catchez votre whip, et dès que vous redescendez, vous envoyez votre deuxième whip. Voilà, aussi simple que ça. Donc, pour le faire, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vous dis à une prochaine.